équipement-là, c'est pour faire des analyses de pesticides dans la région de la plaine du Trifa. Parce que là, il y a vu l'activité agricole très intense, il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés. Donc, on essaie de voir si on peut les détecter dans les eaux, le sol, etc. Parce qu'en général, les pesticides sont des produits qui sont toxiques pour l'homme. Et il faut qu'ils soient utilisés d'une façon correcte. S'ils sont déversés dans l'environnement ou utilisés d'une façon qui n'est pas correcte, ils peuvent polluer l'environnement et donc ça a un impact sur la santé des hommes et de l'écosystème en global. Donc pour terminer, présentez-vous s'il vous plaît. C'est El Qadir Israël, professeur à la faculté des sciences d'Oujda, département de chimie. Merci beaucoup. Vous êtes avec le journal électronique Oujda Portail. Merci bien. Merci beaucoup.